C'est mieux. Donc, je disais, je suis plus gros que hier, ou que d'habitude. Je suis plus gros que d'habitude. D'ailleurs, je couperai ça de toute façon au niveau de la VOD. Quoique, je vais peut-être reprendre à partir de ce moment-là. Donc, bonjour YouTube, et bonjour à vous, bien évidemment. Donc, du coup, je disais, je suis plus gros que d'habitude. Pourquoi ? C'est toujours la même caméra. C'est toujours la même résolution, c'est toujours le même truc, c'est toujours tout pareil. C'est juste que hier, en fait, j'avais installé la version 2024 H2 de Windows 11. Et le problème, c'est que tout fonctionne très bien. Tout fonctionnait très bien, sauf que Nvidia Broadcast, l'utilitaire qui me permet de faire donc, du coup le fond vert, ne détectait plus la caméra. La caméra n'était plus détectée, en fait, pour une raison que j'ignore. Même avec des patchs, même avec tout ça, la caméra n'était pas détectée. Du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais chercher et tout ça. Donc, après le live d'hier, pendant une heure et demie, j'ai cherché partout pour que ça fonctionne. Installer des patchs, des machins, désinstaller des trucs parce qu'il y avait des logiciels qui pouvaient faire des conflits, etc. Ça n'a pas marché. Je me suis même dit, bah tiens, au pire, c'est pas grave. Temporairement, on va utiliser le processeur et directement OBS pour faire le fond vert. C'est dégueulasse. Donc, je me suis dit, bon, bah tant pis. On rollback. Donc, j'ai réinstallé la version précédente, parce qu'on peut le faire sous Windows, hein, il suffit de cliquer sur réinstaller la mise à jour précédente et c'est tout. Entre-temps, j'avais aussi réinstallé le pilote graphique, plein de trucs, enfin, j'avais réinstallé des pilotes et tout. Et rien n'y fait. Donc, je suis repassé sur la version 2023 de Windows 11, et Nvidia Broadcast fonctionne à nouveau. Mais, je suis zoomé. Pour une raison que j'ignore. Alors que la caméra n'est pas zoomée. Hein. Y a pas de zoom. Donc je suis zoomé. Voilà. Je suis zoomé donc. Donc pourquoi pas. Après tout. Hein. Bon attends. Je suis zoomé. Donc on verra bien. En tout cas. Ce soir. Trêve de blabla. Trêve de palabres. On va donc du coup continuer. Persona 3 Reload. L'épisode Aegis. On est niveau 71 et on va normalement terminer ce soir le dernier donjon. Donc ça va être cool. On va voir ce que ça donne. D'ailleurs, en réinstallant tout ce qui est pilote et tout ça, d'ailleurs, vous voyez que maintenant il y a une ombre. Alors que c'est la lampe n'a pas changé. Donc maintenant je vois qu'il y a une ombre. Alors après, c'est vrai qu'avant je me mettais en noir. Maintenant je vois qu'il y a une ombre. En tout cas, donc, du coup, ce soir, l'idée c'est de terminer le dernier donjon, normalement. Et oui, ce que j'allais dire, c'est qu'en réinstallant le pilote graphique et tout, parce que j'ai fait vraiment une full réinstall du pilote graphique, bah en vrai, maintenant, la carte graphique tourne moins. Avant, elle tournait toujours à fond, maintenant, bah, elle fait sa vie, ce qui en vrai est bien, parce que du coup, ça veut dire que tout est bon. Je remarque que maintenant, le processeur aussi est redevenu à zéro. Alors que pareil, avant, le processeur était à 6% sur OBS. Donc le fait de réinstaller, je pense, plein de trucs, et de désinstaller des trucs, ça a permis de repartir sur un bon machin. Donc en vrai, c'était bien d'installer la mise à jour qui n'a pas fonctionné. On va donc couper la musique, mettre le son du jeu, et se lancer ça tout de suite. Alors, où est-ce qu'on en était? On en était normalement à l'entrée de la porte du dernier donjon, Empire. Et je crois qu'on était presque arrivé au boss. On avait tout pris, hein, on avait tout fait. On avait fait tous les équipements. On avait même repris une arme pour Aegis parce qu'on savait. On savait pas si on allait avoir une arme pour Aegis plus tard. Ça, on verra bien. On avait même repris des armes pour tout le monde, donc oui. Et bah, c'est parti! Alors je sais plus si on était arrivé au bout du rule ou pas. Mais ouais, c'est vrai que je suis zoomé, c'est dingue ça. Alors que je suis au même niveau. Hein. Je suis au même niveau, la caméra est au même endroit. Hein. Bref. Let's go. Tiens.
Ah oui, du coup, il y aura peut-être de nouveau des petites saccades, parce que forcément, vu que j'ai dû réinstaller le pilote, forcément, le cache n'a pas été pris en compte. Ok, Ama et Bouffou. C'est ma cougar, hein. Ouais. Yep. Ouais, un peu de son dans les oreilles. Ah oui, du coup on a... Okay. Ah bah du coup on va pouvoir rejouer avec Aegis. Ah non. Ah oui, c'est vrai qu'ils soignent eux. Bah en fait si je tape lui, on peut faire critique normalement. Ah non. Ah oui, parce que vu qu'il est déjà il est déjà affaibli. Zoom pink. Ça râle. Ok. On soignera après de toute façon. Ok, alors du coup. XP. Alors. J'ai dit qu'on soignerait après. C'est pas là, mais on va quand même récupérer des trucs. Elle a ouvert. Slash et Garou. Qui joue après? Qui joue après? Vu qu'elle a quand même pas mal de points de magie. Ouais. Le gros plus de Yukari, c'est que du coup, vu qu'elle a le... Son perk, du coup, pour utiliser moins de points de magie en soin, ça c'est intéressant. XP, oui. L'argent on a. L'argent on a, donc en vrai. Ah oui, du coup, c'est vrai que j'ai toujours lui de. Ah non, j'avais toujours mon Black Rock. Okay. Boss, boss. C'est sûrement le MC. Bah oui, il lui ressemble en tout cas. Merci, Fuka. Bravo. Du coup, Horacil Feed. It's not a game. I'm not a fan. Ouf. Oui. Oui.
Du coup, on va déjà faire ça. Ensuite. Non, pas ça. Ça. Ensuite. On va faire ça. Parfait. Revolution. Alors en vrai c'est cool. Mais j'aurais aimé qu'elle ait sa tellurgie. Okay. Là on va se mettre à tester un peu de tout. Lui il absorbe. Oh sa maman la catin. Ok. Faudra soigner avec Micheline et vite. Hein. Testons le feu. Ok. Oh, lui, il doit absorber toute la magie. Soigne. Tellurgie, let's go. Punch. Herculean Strike. Ah, j'aurais pu utiliser la tellurgie, j'ai pas pensé. Qui joue après? Ok, Yukari. Testons, parce qu'on sait jamais. Ok. Soigne. Ça c'est chiant, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que maintenant on a Amrita Shower. Et Amrita Shower enlève le poison. Et tout en fait, du coup. Yay! Ouais, paf. Ah, elle fait des dégâts en Orgia Mode. Waouh! C'est lui qui absorbe machin. On tape alors. Pas grave. Ah. Ouch. Oh la vache. Le 18 points de vie qui fait mal, quoi. Ouf. Là, elle va faire un peu moins mal. Oui, non mais oui. J'ai rien dit. Non mais l'autre il a boomerang quoi. Effet de la revolution. Hop là. C'est pour ça que Orgia Mode c'est juste trop bien quoi.
C'est vrai qu'on avait plus d'attaque. Enfin, on avait plus de boost d'attaque, du coup. Même si là, ça va être le dernier tour d'Orgiamod, logiquement. Tellurgie ou... ou soin, soin. Ça se discute même pas. Soin. Allez. Ah bah. Ah, tout ça pour ça. J'ai un multi. Allez. Let's go. Yeah. Voilà. Allez hop, on va laisser peser. Ben, ben, ben. Force. Tous les membres du groupe actuel plus 5 PC max. Intéressant. Pas mal. Horus qui gagne Amrita Shower. Bah en vrai, ça m'intéresse pas. Parce qu'on a l'autre en fait qui le fait. Ça serait bien de l'avoir sur un seul. Mais... ah mais c'est vrai que ça c'est Auto Masuku Kaja en fait. Ah, j'avais pas pensé à cette connerie. Ah oui, c'est pas juste Suku Kaja, c'est Masuku Kaja. Après, je suis pas trop tenté pour prendre Amrita Shower. On l'a avec l'autre en vrai. Allez. Au pire, on pourra l'enlever. Esquive lumière. Ça, j'ai envie de l'enlever. Je m'en servirai jamais. Mazyodine, oui. Clairement. Frappe élevée à tous les ennemis un ou deux coups. Bah, au lieu de Herculean Strike, alors. Ouais. Comme ça, ça tapera une ou deux fois. Je suis d'accord, continuons. J'ai pas écouté ce que t'as dit. Mais je verrai pourquoi la caméra est aussi zoomée. Je verrai. Non, il y a des coffres normalement. Je verrai pourquoi. Après, bon, c'est pas si grave, hein. C'est que des armes pour des gens qu'on s'en fiche. Allez, c'est parti. Par contre, on a déjà quasiment plus de magie. Donc on va faire jusqu'au prochain... on va faire jusqu'au prochain TP. 1. En fait, ça pourrait être intéressant. Allez. En fait, ça pourrait être intéressant si on a du stuff. Si on a de l'équipement en fait pour Aegis. Et encore. Allez, en avant. Alors lui c'était Agi. Ok. Alors par contre je sais pas si ça va aller quoi. Ça va pas le tuer. Let's go.
soigne. J'hésitais à faire la tellurgie. C'est vrai que là, du coup... ça va être un peu plus lent, vu qu'on n'a pas l'Orgia mode. On avait testé... On n'avait pas testé Garou. En vrai, j'ai pas trop envie de tester. Ah, ça, par contre, c'est bien, ça. On va économiser. Bing, bing, bing. Lui, c'était quoi, lui? C'était rien du tout. Qui joue après? Bang, 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 bang. Charal. Bon, allez, let's go. Yay! Et vu qu'en plus on a l'augmentation de l'attaque. Elle fait pas grand chose, hein, Micheline. On aurait pu taper deux fois quand même. Qui joue après? Aegis. Ouais, bah tape, hein. Je peux rien faire d'autre de toute façon. Qui joue après? Lui. Alors ça par contre ça m'intéresse pas du tout. Ouais, prenons lui. Tant pis. On re-switchera après. Balapapa, baby baby. Bah tape. Qui joue après lui? Il était faible à quoi lui? Au feu. C'est vrai qu'on a. C'est vrai qu'on a la tellurgie de Fuka, donc de l'oracle, mais on l'a jamais utilisé encore. Hein. Ah, eux on sait pas. Oh, des nouveaux. Des nouveaux qu'on sait pas. Ah, qui joue après? Lui. Faisons ça. Faisons ça au cas où. Baby baby. Yeah. Je sais plus si c'était un ou deux tours. Est-ce qu'on a besoin de soigner? Ouais. Par contre, je n'ai plus de points de magie. Ça, c'est chiant. Ça,
C'est moi, je me suis trompé de... Super. Comme ça, un ennemi. Personne avec beaucoup en force. La chose qu'il ne faut jamais faire normalement, mais bon. On va être obligé de le faire, ce qui est pas bien. On ennuie un petit peu ça. Tous les ennemis. Ok, d'accord. Ah lui il est censé absorber, c'est pour ça qu'il s'est pas pris dans la gueule. Oh bah let's go. Bah let's go. Plus on peut en prendre deux, ouais. Ça oui. Je suis pas dingue de The Lovers. Ok, donc, qu'est-ce qu'on a? Les points d'éminence. Alors, qu'est-ce que c'est? Toutes les stats plus 5. Waouh. Oui. Anneau d'éminence, qu'est-ce que ça va être? Agilité plus 13. On sert jamais. Guêtre d'éminence, c'est pour moi. Qu'est-ce que c'est? Boomerang. Oui. Après, c'est non cumulable, donc j'ai l'éminence pour moi aussi. Ah mais je l'avais déjà, je l'avais craft. Coup de pouce ou danse d'Ali. Bon, on regarde danse d'Ali. Oh. J'aurais préféré une arme, à vrai dire, pour Aegis. Mais le plus 5 dans toutes les stats pour Saeda, c'est parfait. Akiko, là. Là, c'est bon. Par contre, il faut trouver impérativement. Non, oui. Charal, c'est bon. Qui êtes-vous? Tire slash. Bah, tape. Tire. Bloque le tir. Magarula. Je crois que c'est peut-être le feu pour eux, mais bon. Ah.
Oh, un second critique, mais donc. Ok. Et confusion, ça. Ah, Zio. Par contre, oui, j'étais en train de me dire que je me suis planté. Pour Saeda. Oui, c'est pas trop grave. Je vérifie, mais je crois que je me suis planté. Ça, c'est chiant. Ah, oui, très bien, super. On aime ça, on s'éclate. Elle va donner du pognon. Elle va donner du pognon, c'est sûr. Non, c'est bon. Allez, tape. Voilà. XP. Gabriel. Narakunda, c'était quoi? Ah, intéressant. Oui, je voulais voir du coup. Je me suis planté. C'est lui que je voulais remplacer. Bon, c'est pas grave. Bah, on va à la tèche suivante, oui, je suis con. Il faut qu'on trouve après un téléporteur. Voilà, merci le téléporteur. Alors, sauvegardons déjà. Puis du coup, bah il faut se barrer. Ok. Alors du coup, vu qu'on est ressorti, allons chercher les plantations qu'on avait mis la dernière fois. Bonjour madame. Oui, madame. Et justement, je vais te donner les graines de trucs que je viens de t'acheter. Passons vite fait là. Et on va aller vite fait de l'autre côté, à l'antiquaire. Vu qu'on a récupéré des trucs. Voilà. Non, mais ça, on s'en fout. Le fouet Show Queen! Bah, ils sont pas fous, hein. À part l'arme pour Aegis, oui, 400, c'est bien, hein. Agilité et ignore les résistances ennemies. Il faut 3 diamants. Attends une petite seconde. L'armure d'un aristocrate mort au combat annule les altérations mentales. Donc, elle sera jamais confuse, jamais charmée. Parce que si elle est jamais confuse, jamais charmée et tout ça, c'est-à-dire que je pourrais toujours la contrôler. C'est pas grave si elle est empoisonnée ou autre, parce que je pourrais toujours la contrôler et faire Amrita Shower.
pour en retirer le poison ou quoi que ce soit. Ce qui fait qu'elle sera toujours disponible. Et vu que c'est elle notre soigneuse, c'est hyper important. Je m'en fiche si elle arme à 400. C'est, on verra plus tard. Ça, c'est hyper important. Le fait que Yukari soit toujours disponible. Allez. Ah, normalement, vu qu'ils sont légèrement bleutés, c'est parce qu'ils sont... ils sont bas niveau, 73. Oui. Kuga. Aïe. Logique. Non, c'est vrai qu'on fait pas beaucoup de dégâts. Bah tape, oui. Allez hop. Next. Ping, pong, pong, ping. Pong, ping. Le coffre est là, mais on s'en fiche. Pong. Ping. Pong. Pong, pong. Il est où le truc? It's not a game. Je sais pas où je vais, hein. Par là. Bah ouais, on va les faire, quoi. Voyons le stuff de ouf qu'il y a, on va les faire. 4000 balles. Ils sont là. Bon bah, faisons lui avant, du coup. Qui êtes-vous? Maragidin, Mabufudin, Megidolaon et Focus. Et donne des diamants. Testons un peu tout. Je serais mort si je bloquais pas. Hein. Oui, oui, oui. Testons patate. Putain, mais patate, elle donne des patates, hein, vraiment. C'est vrai qu'il est faible à ça, lui. Focus, ouais. Touloum, touloum, touloum. Qui joue après? Lui. Serrer les fesses, hein. Surtout pour Métis. Ça, c'est pas le pire, en fait. Ça va. Là, on va soigner. Ouais, bah sinon, est-ce que tu peux taper? J'ai à taper fort. Ah, va.
3 diamants. Oh, putain, en fait, ça va vite de farm les diamants, en fait. Ah putain, mais c'est moi qui ai soigné. Oh. Oh. Alors... Oracifide. Compétence... non. Persona. Allez, mais là, du coup, c'est l'aider. Oh putain, on commence par lui, quoi. Si on fait pas de dégâts tout de suite. Et là t'as pas. Défense c'est chiant. Baby. C'est vrai que j'ai pas un truc qui remet les stats avec elle, non. Je peux rien faire d'autre de toute façon. Et pam pam. Et Boufoudine. Bon, ça de toute façon, ça n'aurait rien changé. Hit. J'aurais peut-être dû soigner. Quoique. Lui c'était. Agui. C'était le feu, je crois, lui. Oui. Ce qu'on va faire, c'est que. On va faire ça. Mais. On va pas faire de all-out attaque parce qu'on va s'en servir pour réaugmenter l'attaque du groupe pour être sûr. Ok. Faut soigner là. Oui là j'ai vu faut soigner là. Oui. Oui. Oui, du coup. Allez hop. Là, peut-être qu'on va réussir à le tuer. Ah non. Ça va me dire, j'espère que j'ai encore des homoncules disponibles, mais oui. Alors... Oui, il y en a un qui absorbait tout le physique, et il y en a un non. C'est bien et c'est pas bien. En fait, il faudrait limite que j'arrive à tuer lui, quoi.
Gunda. C'est quoi quoi défense. Faudrait que j'arrive à tuer lui. Là je joue un jeu dangereux hein. Tape la bonne personne. Ah non oui oui c'est vrai qu'elle elle perd en altération c'est vrai. Du coup faut réussir à tuer lui en priorité. Ne tape pas lui. Tape l'autre. Voilà meurs. Meurs. Oh t'es pas capable de tuer le bon quoi. Oh. Après résistance oui au pire. Il aurait pu tuer le bon et c'était bon quoi. Ça va être full magie. Et je vais encore me retrouver 100 points de magie. Ça va être, ça va être la joie. Allez. Yeah. Et oui, parce que maintenant il est faible parce qu'il est gelé. Alors, deux homoncules, je prends. Parce qu'on en a consommé plein. Encanto ? Oui. Alors. Qu'est-ce qu'on a? Canon de l'éminence. Oh yeah. Oh my. Ça je prends. Anneau de l'éminence. Alors on regardera ce que c'est. Bah c'est encore moi ça. Ah, ça c'est peut-être pour quelqu'un. 5 diamants. Bah, en vrai, l'arme à 400. Là, stat plus. Merde, stat plus 5, oui. Ah, c'est quoi le mieux? Magie plus 13? Ou magie plus 5, PC plus 100? Après, c'est vrai que Yukari, maintenant, elle atteint très peu, parce qu'elle... ça passe, quoi. Maître des sorts. Ah. Manteau d'éminence, c'est maître des sorts. Ouais. Ah, c'est vrai qu'on a mieux, quoi. Ah, mais c'est vrai qu'elle, elle a déjà le torse d'éminence. Ah oui. C'est vrai, je pourrais lui mettre XP plus 50, hein. En vrai. Hein. Ah mais du coup, je peux lui mettre ça. C'était qui avait ça, du coup? Configuration 3. C'est vrai, je peux lui mettre ça en fait. C'est pour rajouter des PC. Au lieu de PV plus. Après, si PV plus 100, c'est hyper utile.
C'est vrai. Ouais, bah du coup, on est pas mal. On est pas mal. Bah du coup, on est bien stuffé là, non? On a peut-être plus besoin d'aller Non, oui, non. On a peut-être plus besoin de faire les porte-monnaies en fait. Ah, ça c'est bien. Bon, j'ai plus de points de magie. Oh. Ça va être chiant. Dead. Alors, est-ce que vous bloquez toute la magie? Oui. Vous bloquez les tirs aussi. On va pas être content au bout d'un moment. Est-ce qu'ils vont rester un tour? Ou est-ce qu'ils vont se barrer? Oh si peu. Ça m'embête. Ça m'embête tellement. Ça m'embête tellement d'avoir utilisé leur Guillemot pour ça. Non. Oui. Oui. Mais on pouvait pas les passer à côté de 60 000 points d'XP. Hein. Ok. Par contre, on va soigner. Oh non. Mais on est bien là en fait, hein. Si ouais, t'es un peu plus loin. Ok. Bientôt la fin du donjon donc. Merci le jeu quand même. Oh là, merci. D'accord. En fait, je regardais ce qui me consomme le moins de points de magie. Je me suis dit, bon, bah, du coup, testons. Hein. Ça va. Et punch! T'as mis la boomerang, ce con. Oh, vous m'emmerdez avec le port. Hein.
Voilà. Allez, paf. Ok. Oh, soignons. Récupérons ça. C'est peut-être un des trucs chiants avec, avec notre build, c'est que on est très faible en magie. Enfin, très faible en points de magie. Et du coup, c'est toujours tendu. À la fin. En vrai, on va pas la faire. Déjà parce que j'ai pas de points de magie, déjà de 1. Vous l'avez dit que j'avais pas de points de magie. Et surtout parce qu'on est déjà bien stuffé en fait. On va pas la faire. Faisons au moins ce... au moins un petit mob quoi, vite fait. Ok, vous êtes peut-être des gens... vous êtes peut-être des gens bien vous hein. Oui, vous avez pas beaucoup de points de vie. On essaye un peu de tout, voilà, hop. Voilà. Et puis Métis, voilà. Mais ils ont tous boomerang dans ce truc de merde. Allez hop. J'aurais pu tester la glace. Mais le embelli m'a fait peur. Donc vu que le embelli m'a fait peur, je me dis... Hop là. C'est bon. Oh purée de... C'est bon. Ouais, j'ai vu qu'il y en a plein. J'ai vu. Je cherche soit la suite, soit un TP. Ah, mais on va pouvoir. Ah, si, non, mais c'est bon. Ouais, si, on va se la faire. Par contre, on va ressortir à sec. Hein. Ah oui, chassons là, bien sûr. Eh oui. Comme ça, on n'a plus besoin de choisir entre la gauche et la droite. C'est con, parce qu'on pouvait faire des pronostics politiques avec le jeu, quoi. C'est vrai que c'était cette ombre-là. Voilà. Fin. C'est vrai que c'était cette ombre-là qui était faible à patate. Alors, Magaroudine, on remplace Magaroula. On fait pas comme ce qu'on a fait avec Saeda. Niveau 80, Mediaran. Yes. Mesurashii shadow.
1. C'était pas ce que je pensais. Bah du coup, oui. Ils font quoi déjà? Ils font de la lumière, donc ils sont faibles à l'ombre. C'est un peu ça dans 99% des cas. Hein. Alors ça, bah non. Ça aurait été bien avant. Mais là, on va se barrer. Permet de survivre à un coup fatal avec PV max. Ah oui, c'est si en gros on se fait défoncer d'entrée de jeu et qu'on n'avait pas perdu vie. Oui, mais du coup il faut le jouer. Et ça m'intéresse que très peu quoi. Putain, mais lui c'est vrai qu'il faut l'équiper tout le temps, j'avais oublié ce détail. On récupère 8% des PV et PC max après avoir gagné un combat. Putain, mais j'ai complètement oublié cette histoire. Ah bah du coup. Du coup, on peut peut-être faire ça. Ah ouais, il y a eu un... Ouais, au pire, allez hop. C'est derrière. Ok. Donc le boss c'est par là, sauf que nous on se casse. Oui. Ok. Alors du coup. En vrai on a notre bonne équipe quand même. Hein. Même si Black Frost... En fait, c'est surtout parce que Black Frost a 76 en points de magie, quoi. Il fait théoriquement plus de dégâts magiques que n'importe qui. Pour ça, je le garde. Après, je me demande un truc. On a 748 000. On pourrait acheter qui ? Parce que oui, quand on joue à l'épisode Aegis, on a accès à notre compendium... précédent. On est niveau 75. Et bah rien du tout. Mais je pense que j'y penserai pas. Et encore, faut voir si on atteint le niveau 78. Mais s'acheter Loki peut être intéressant. 75. Je sais même plus si on l'avait utilisé lui en vrai. Lui, je crois pas. Mot, on l'avait utilisé. Alice, je me souviens de l'avoir fait. Je sais plus si on l'avait utilisé. Balzebub. On l'avait pas utilisé. Lilith, on l'avait utilisé, Lilith. Lilith, on l'avait utilisé. Bon, on le... Je sais plus. Je sais plus si on l'avait utilisé. Skadi, bah du coup, on l'a de l'autre côté. Kali, on l'avait utilisé, je crois. Ouais. Bon, en vrai, il n'y a pas de gens foufou. 75. Ouais, on peut faire Odin. L'intérêt limité. Oto Maraku Kaja. Ouais.
Y a rien de foufou, hein. Y a rien de fou. En fait, ça vaudrait plus le coup de voir si je peux pas acheter des cartes de sort et les mettre sur quelqu'un. En fait. Vu l'argent qu'on a. Allons voir. Normalement, je dois aller récupérer des plantes. Est-ce qu'on a suffisamment? Vu. 30 PC, ouais. Du coup, allons là. Pardon. Augmente la magie de 3, ça peut être intéressant. Essor maintenant, changement spirituel non, chaîne d'âme non, résistance non. Ah c'est ça, maître des sorts. Divise par 2 le coût en PC de la magie. Ah oui. J'ai toujours bien machin demi, hein, d'accord. Oui. Ah mais non, elle en a plus. Oh, oh mais attendez, si. Ah bah si, elle en a. Alors, ensemble magique 3. Remettons-le sur Black Frost. Puissance 3 sur Métis. Puissance 2 sur Métis. Et ça sur Yukari. Ça, elle aura un peu plus de magie. Voilà. On est bien comme ça, non? Par contre... À la base, c'était quoi je venais chercher? Rien du tout en fait. Si je voulais voir des cartes, mais en fait il n'y a pas de cartes intéressantes. Donc, tant pis. Bah let's go. Let's go, let's go. Let's go pour le boss. Oui. En fait j'aurais aimé mettre à Black Frost au moins de la magie, une magie de feu un peu mieux, mais bon. Let's go. C'est un peu un mirage en fait, c'est pour ça que c'est un désert.
Ok, alors, c'est un boss. Mettons-nous dans le mindset que c'est un boss. Ah ok, la revigoration ou quelque chose. Testons le vent. Ils absorbent le vent. Testons patate. Ils résistent. Ils résistent à patate. Lui, on sait pas en vrai, parce qu'il l'a esquivé. Pas tant que ça. Ok, bon. Testons les ombres. Un peu de dégâts, mais ça va. Ok. Donc le vent, ils absorbent le tir. J'aurais dû soigner, c'est pas grave. Testons le slash. Résiste. Ah, bah tiens. Testons la glace. Il absorbe la glace et il bloque la glace, l'autre. Ils vont être chiants, eux, non? Soigne. Ils vont être chiants, hein. Ils vont être chiants. Testons. Ouais, tiens, allez, au pire. Ils vont être chiants. Ils vont être chiants. Ils vont être chiants. Parce qu'ils ont aucune faiblesse. Alors. Il n'y a que lui en fait qui va pouvoir faire de la magie. Plus ou moins. Attaque restaurée. Donc il faut que je refasse un truc d'attaque. Je sors de glace niveau 4. Ok. You die. C'est vrai qu'on pourrait. On pourrait faire ça au pire. Ok.
Lui il est chiant parce que lui il va se remettre de la vie à chaque fois. Soigne. Alors là maintenant lui. Alors lui par contre, il se soigne. Bah du coup autant faire du coup ça avec elle parce qu'elle pourra pas attaquer dans tous les cas. Et toi bah du coup fais ça. Fais de l'électricité. C'est un tous les ennemis. Pire. Autant l'utiliser. Autant l'utiliser. Pardon. Par contre, on fait pas beaucoup de dégâts. Ah bah oui, comme par hasard. Ponk. Soigne. Oui, j'ai dit toi tu feras rien. Bah garde alors. Il va être long ce con. En fait, il y a une attaque qui sert juste à rien. Après, au pire, let's go. Yay. Yay. Que dalle. Non, bah du coup, refais ça. Au pire. Hop. Il va être long. En vrai, il est contrôlable. Donc ça va. Là, bon. Il va juste être long, quoi. Bah toi, t'as pas besoin de soigner. Non. J'ai tombé de bouton. Je voulais pas faire ça. Non, bah attends. Je ne voulais pas faire ça, je me suis trompé de bouton. Je vais faire le truc en dessous. C'est pas grave. Ça sera légèrement plus long. À part s'il me bute maintenant. Ouais, je voulais, en fait, je voulais même pas soigner, en plus, je voulais juste bah, que tu fasses rien. Ok, j'aurais pu mettre, oui, je suis con. J'aurais pu mettre juste un stop vent, en fait. Je l'ai pas stop vent avec quelqu'un là. Non. Le seul truc qui me manque, et c'est vrai, c'est un truc pour retirer la défense des ennemis. Je crois que je l'ai pas. Allez, encore un petit peu. On y arrive. Sun TM. Ah. On soigne toujours pas, non, c'est bon.
Hop. Putain, il nous aura vidé nos points de magie. Hein. C'est bon. Terminé. 100 000. 100 000, ma gueule. Carte en sang aléatoire plus 1. Esquive ombre. Alors c'est sexy, mais un peu inutile. Ça aurait été hyper utile si j'avais que ça, mais là non. Ampli glace. On peut retirer Ziodine au pire. Ça par contre oui. God End. Et bah au lieu de point titanesque. Âme coriace. Permet de survivre à un coup de fatal. Ah oui, bah oui, ce fameux truc là. Pareil, c'est sexy, mais en vrai, c'est trop circonstanciel en fait. Ça c'est largement mieux. Ça c'est largement mieux. Au pire, si on se fait one shot, on se fait one shot, quoi. Et ben voilà. Donc là, normalement, il reste un tout petit peu de niveau avant d'atteindre la fin, normalement. Canon antimatière. Moins bien que ce qu'on a. Chaussure de vitesse. Est-ce que c'est si bien que ça? Ah, ça c'est mieux. Est-ce que tu me dis que... Ah oui, non mais oui, c'est parce que je lui avais donné ça avant. Ah oui, Revigoration 3, bah non, stat plus 3. Ah bah quoi. Soignons. Let's go! Mais oui, la silhouette, elle ressemble vaguement au personnage principal, donc c'est quand même bizarre, non? Non? Bon. Est-ce que c'est par là? Bon, ce qui serait bien, ce serait... Ouais. J'en sais rien. Super. C'est tous les mêmes? C'est tous les mêmes. Ok. Un! Ok. 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 Ils sont faibles au physique. Ok. Oui. XP, bien évidemment. Les deux. Bouffou. Hey. Donc du coup, vu qu'on là c'est bouffou, enfin, c'est la première truc on. Thank you.
Voilà. Rapidité, efficacité. Prenons Loki, même si on va pas s'en servir. Ah non. Il l'a pas considéré comme étant assez proche pour faire partie du même combat. Bon bah c'était pas par là. Ah, il y a des porte-monades. Non. Hop, ça m'intéresse pas. Non. Ça m'embête un peu. En fait, le fait de pas avoir beaucoup de points de magie, c'est ça qui me fait un peu peur. Egaon, donc du coup, bah théoriquement. Voilà. Évident. Et puis là on les a bien one shot hein. Comme il faut. XP. Toujours de l'XP. Comme on dit hein, l'argent on l'a hein. Mais non. L'argent là, c'est vrai que c'est plus une, obsession. C'était là-bas. Hop. Rep. Pas encore. Normalement, il y a qu'un seul boss hein, normalement. Hop. On fait quelques combats de temps en temps parce qu'il faut quand même se maintenir, mais bon. Ok. Ok. Ah oui, non mais du coup oui. Ça me les brise. En fait, le fait que j'ai pas de points de magie, on est vite bloqué. Faut pas que je perde de temps. Là, il va le refaire. Ah oui, forcément. Ok.
Ça c'était ça depuis le début. J'aurais pas assez de points. Amrita Shower. J'aimerais pouvoir contrôler Akiko 3 secondes. J'aurais dû faire l'autre, mais bon, c'est pas grave. Big Delone, ça va. Ok. Bah, oui, du coup, je suis con. Quoique, j'aurais pu faire Mas Yonga, c'est vrai. Quitte à économiser des PC. Mais bon. XP, oui. Oula, cassons-nous. Ouais. Ah, c'est pas encore la fin. Ah, comment se bloquer? Comment se bloquer en trois leçons? Il y en a un, c'est à, mais c'en est un à un bloc, donc on s'en fout. Plus on sera bientôt révélé, mais plus on se rapproche, plus je suis nerveuse. Des porte-monades, mais j'aimerais avoir un truc pour me TP en fait plutôt, hein. Non, je m'en fous de toi. En temps normal je t'aurais attaqué, mais là je pouvais pas dire non. Ah ouais, ils vont être chiants au possible. Ok. Je suis obligé. Qui joue après? Mais oui, c'est ça, je sais pas pourquoi je pose la question qui joue après. Je sais pas pourquoi. C'était lui que je pouvais faire des dégâts. Mabufudine. Ça c'est chiant. Ça c'est encore plus chiant. Madiodine. Survie un petit peu. Voilà, ça c'est bon. Super. En vrai, soigne. La peur c'est chiant, mais c'est supportable.
Bizarre dit comme ça, mais oui. T'auras plus peur comme ça, non mais oh. Bofudin ? Le revers. Ah ouais, d'accord. Qui joue après ? C'est lui. Je distribue. Distribue des tic-tac depuis tout à l'heure. Magaroudine. Toi pareil, donc du coup soigne. Garoudine. Elle va te péter la gueule. Ah, Garoudine donc. Ok. Bah oui, forcément, oui. Allez, comme ça, toi, c'est fini. J'aimerais pouvoir jouer au bout d'un moment, en fait. Qui joue après ? C'est lui. Ah, mais lui, le problème c'est que le tir on sait pas, mais on suppose que c'est de la merde. Voilà. Super. Soigne maintenant. Urgence. Diodine. Ok. Toi, vu que t'as de la magie à revendre, vas-y. Lui, on sait pas le tir, mais voilà, ça marche quand même. En fait, c'est pour ça qu'il était signalé comme difficile. C'est parce que c'est une configuration qui est chiante. Voilà. Non. Non. On commence à être à sec, à être à sec, à sec, à sec, à sec, à sec. À sec, 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 à sec. Bien sûr. Il est où ? J'ai échappé. Fouille de tartare. Normalement, faut pas faire ça, mais bon. Ah. D'accord. Parce que ça va être la fin, peut-être. Donc, sauvegardons. Et puis on va continuer, bien évidemment. Sauf que là, il faut qu'on remonte. Hein. Là, je suis désolé, il faut qu'on remonte. Alors, est-ce que, en vrai, je sais pas si on aurait des trucs en fait. Est-ce qu'on aurait des trucs à récupérer ?
Dosioka. Ah, lui, il aurait été intéressant, mais bon. Dosioka. Il y a encore des puissances 3, ouais. Ou pire. Y a pas une meilleure arme pour Métis à tout hasard. Ah, un une Soma, ça c'est bien ça. Métis. Non, c'est la meilleure. Okay. Alors, on va faire un truc. Je vais faire une sauvegarde au centre commercial de Polonia. Qu'on utilisera au cas où le jeu essaie de nous baiser. Parce que je sais pas pourquoi, mais je me souviens. Ou alors c'est dans le 4. Mais non, Persona 4, je l'ai fait, ça me... Je sais plus. Je crois qu'il y a un moment. Il y a un des Persona, mais je crois que c'est Persona 4. Je sais plus si c'est le 4 ou le 3. Où en fait. Le jeu va te faire jouer avec d'autres personnes. Et c'est là que tu fais ah merde, les autres je les ai pas up. Au-delà de ce point, l'histoire se développera considérablement. Conseil, commencez par sauvegarder votre partie dans le désert des portes. Bon, c'est parti. Allez, allons-y.本当なの?別に今までと同じに見えるけど。辿ってきた道筋を考えれば、そのはずだ。そしてここに時の狭間の発生源、空回りの原因があるということだが。そうだ。みんなに伝えることがあるんでした。前に時の狭間に関する式があったって話したと思うんですけど。 何か分かったのか?まあ、記述が確かなら、ここはタルタロス発生と同時に反作用として生まれた場所。反作用?巨大な塔が急にできたことの反動で開いた巨大な穴ってことみたいです。じゃあもしかしてここは10年前から存在を知られてたのか? タルタロスが消えれば一緒に消えてしまうはずで、触れなければ無害と判断されたみたいです。というか記述だとここは二次的に生じた単なる地形だから。あ、でもそれはないな。待てよ、超いるじゃんか、シャドウ。それにタルタロスを消せば消えるって、そんならもうとっくにないはずだろ。メッセージ、ジュンペイ。どっか間違ってんじゃんねえの? Bravo, Junpei. La force qui depuis tout à l'heure arrête pas de faire tac tic toc tac. というか、ここにもまたあの扉が、あれがここにある意味って。どういうことだ?あれが原因ってことなのか?私とアイギスやメティスを除くなら、あとは誰のかこ? そういや、そうだな。他に俺らの中で力に目覚めたのって。いいじゃない。ここまで来て話し込んだって意味ないでしょ?開けてみればわかるんだから。あ、c'est le MC alors, non? 原因が何であるとしても、それは
C'est le MC. Le main character, notre personnage. Est-ce qu'on va le terminer ce soir? En fait. Wait a minute. Hello. Matte. Matte, onegai. Ikanai de. Anata o mamoru tte yakusoku shite. それを自分の生きる証にするって決めて、でももう叶わないんですね。私にできることはもうない。それでも私、生きていけるの意味はあるの？こんなことならただの機械に戻ってしまえたらいいのに。Eh oui. Et Aegi, c'est métis. D'accord. だがどういうことだ。今のは明らかにアイギスの記憶のようだが、何のきっかけなんだ。アイギスは目覚めてペルソナを得たわけじゃないだろう。目覚めたじゃないですか。彼と同じ特別なペルソナ能力ってのに。アイギス、何なのこれ。C'est à ce moment-là, oui, du coup, qu'elle a eu le pouvoir de la White Card. いつも。ここで目が覚めるんです。別れがあんまり苦しかった私は、部屋にうずくまったまま、何もできなくて。C'est le cauchemar qu'elle fait depuis que le MC n'est plus. 夢に出てくる彼だけを追いかけてたんです。アイギス、姉さん。でも、しばらく経って、私、急に夢を見なくなったんです。Elle a abandonné, quoi.胸を支配してた苦しさがなぜか抜け落ちるみたいに軽くなって、今のは多分私が夢を最後に見た時の風景です。これがどうしてきっかけなのかは正直自分でも。姉さんは今でも苦しいの？今見た中に出てきた相手の人、あの人でしょ？Yes, sir. 同じ力を持ってたっていう。今のが全ての原因？わけわかんない。何よそれ。わからないですか？今のは姉さん一人の記憶だったけど、彼に会いたいのは全員そうなんでしょ？バビ。見当つくじゃないですか。どういう意味？一番最初に私が言ったこと、やっぱり間違いじゃなかったみたいです。一番早い解決法は。あら。あなたたちを消すことだって。Dans un sens, oui. それじゃあ、やっぱり。C'est ça que sa mission de base était de tous nous tuer. 待て。何か様子が変だ。Hello there. 何なの？思った通りです。来ますよ。あなたたちの未練そのものの姿をした怪物が。Coucou.
Ça me fait penser à Persona 4 un petit peu. Oh, attends. Ça serait tellement drôle qu'il ait nos personas de fin de jeu. Ok. Regret. Bah... Let's go. Ok, donc traitons-le comme n'importe quel boss. Ouh, sa maman. Ok, il bloque les tirs. Ah oui, c'est 132 PV. Ça va. Oui. D'accord. Allez. Ok. Il résiste à patate. Il a switch. Ok, il n'y a pas de faiblesse. Soigne. Non, j'aurais dû faire l'autre. Pas grave. Ok. On est toujours en... Ouais, je crois qu'on est toujours. Bah du coup, faisons... Ouais, faisons... Au pire. Faisons des dégâts. Les soins, on n'a peut-être pas besoin là, à l'heure actuelle. Ok. Ça c'est chiant. Ouais. On a une baisse d'attaque donc au pire voilà. En fait faut voir au niveau des dégâts. Des dégâts qu'il peut nous faire quoi. C'est surtout ça quoi. Soigne. Parce qu'on sait jamais. Je vais peut-être pas faire un God End. On va refaire ça. Hein.
Isis. Mais parce que c'est toi. C'est ta persona en fait. Après tant mieux parce que comme ça du coup il est plus faible à patate, donc on peut le taper. Magaroudine. Ok. Let's go. Après j'aurais pu juste tirer en vrai. On va garder la tellurgie de Micheline parce qu'on voit que déjà on lui fait déjà des dégâts. Soigne. Non, pas ça. On va peut-être pu faire Goden. Ah, Diarama. Ah, bah oui, du coup. Du coup, ouais. Là. Là, on va soigner. Et là, Goden. Ah. Ok. Alors là, on va voir. Diodin. Et du coup je me demande si... Non parce qu'on avait Diara Han. Donc non en fait. On n'avait pas Diarama. Critical. Oui, au pire, tapons-le à 3, c'est pas grave. Ok. Du coup, on pourrait utiliser cette tellurgie. Yay! On refait du God End. Allez. Yodin, en espérant de le faire, fais-le sur Michel. Ça va, c'est bon. Au pire, tape. En fait, on va re-soigner avec Yukari. Ah. Jolie esquive. Soignons avec Yukari. Tape. Matarunda. Alors c'est pas si grave. Parce que du coup on refait ça. La Caroline, on revient sur Isis. J'hésite à le tuer maintenant.
en espérant qu'on pourra se soigner entre deux. C'est tout. 50 000 d'XP, c'est tout. Ah, cinématique. Et oui, ce sera d'ailleurs les prémices de Persona 4. Yukari. Kare no sugata o totte wa ita ga, are wa shadow da. Sukunakutomo, watashi ni wa sou mieta. Ah oui. Demo sore o okashiku desu ka? Datte Persona tsukatte ta shi, Persona tsukai wa shadow o taosu gawa. Et oui. Et ça, par contre, c'est ce qui sera dans les Persona d'après, en fait. Parce que là, dans Persona 3, on ne peut pas capturer des Persona. Alors que dans P4 et dans P5, on peut le faire. C'est un peu ça. Oui. Et c'est ce que disait Jésus. シャドウの力は時間や空間にさえ影響する。あなたたち自身の無意識の思いがペルソナを通じて実現されてしまったんです。このまま時が過ぎることを納得できない。大事なものを失った今を認めたくない。だから彼の姿をしてた。 そういうことなんだ。僕らが望んだ通り時間が進まずにいて思い出の場所だったんだ。自分で自分を閉じ込めてたってわけですか。笑っちゃうな。だが俺たちは勝った。原因は何であれ。これで解決。ゲーム。もう未練の正体は判明したんだ。これで外に出られるんじゃないか。 それは。うん。なんだこれ。これは鍵。きっとその鍵で外に出られます。そしてあなたたちが外へ出れば時の狭間も自然と消えるでしょう。D'accord. Et pourquoi elle a pas de clé? Voilà. いや、つもありますよ。 Parce que Métis c'est un shadow créé par Aegis, c'est sûr et certain. Et je crois que c'est ça la baise. Je crois qu'on va peut-être devoir se taper Métis. Enfin, oui. Voilà, toute raison gardée bien évidemment. それか、または もう一つ。
閉ざされている扉の中でたった一つ外へ通じていない扉、玄関かあの扉かどちらかです。外へ通じていない扉、あいつの部屋か。だがなぜ二択なんだ。玄関から出れば現在へ続きますが、その扉を使えば過去に出るからですよ。過去へ？過去の世界ですよ。実際に何度も体験したじゃないですか。今回は扉を出た後に時の狭間が消えるから、正真正銘本物の過去へ戻れます。おい、それは確かなのか。嘘をつく意味なんてないです。私は分かることを話しただけですし。つまりこういうことか。未練を断ち切り前へと進むのか、未練の元へと戻るのかを選べと。あなたはどうしたいの。私は姉さんの選択に従います。っていうか、これでやっと姉さんを良くない運命から助けられる。他のことはどうでもいいですもん。良くない運命。姉さんはどっちにしたいんですか。Je choisis l'encyclopédie Larousse, mon cher Julien Lepers. とにかく一旦寮に戻んね。な、大事なこと。こんなとこで立ち話じゃなくてもさ。そうだな。まあ。おお。ちょっと何これ。なんか地割れみたいの起きてんぞ。まずい、不安定化が始まってる。まだあと少しは持つと思いますが、悠長にしてられませんね。え、シルトンイブロケー。扉に及んだら鍵があっても出られなくなるかも。難問が持ち上がったそばからこれだ。だか。D'accord, ah oui, on n'a pas une minute de répit, mais discutons. Hmm.病院で調べても原因がわからないし、どうしてかなって僕ずっと思ってました。きっとあの人は命と引き換えに何か奇跡を起こしたんじゃないでしょうか。あの人は最後まで考えて計りにかけて、そして今の世界を残してくれた。死、奇跡。僕はあの人が選んだことはなかったことにしたくないって思います。あの人は尊敬してたから。天田くん。俺も天田と同意見だ。死を覚悟するってのがどれだけのことか。俺たちは嫌ってことを味わっただろう。その決意と残されたもの、納得できなくても腹をくくって受け入れる、それがあいつへの礼儀なんだ。うん。ゆかり、君はどうだ。ゆかりっちも今派だろ。昔のこと話してもしょうがないって何度も言ってたし。私過去に戻りたい。そりゃずっと前を向きたいって思ってた。過去を切り捨てたいって思ってたよ。でも今は違う。何かできるかもしれない。Oui, dans un sens, je comprends Yukari. Yukari. Aïtsu no ketsui wo omae wa mu ni suru tte koto ka. Sonna koto itte nai. Datte kakko wo yari naoseru n desu yo. Sore no nani ga warui n desu ka? Ja kiku ga. Moshi omae no chichiue no shi ga chou keshi. Et Akiko pose la bonne question.
その後に続く戦いも出会いもない。そんなお前は、Exactement. 今のお前になれると思うか。シンジやミキの死と同じだ。俺は否定したくない。無駄な過去など一つもない。今の俺にとって全て必要なことだった。Exactement. でもそれは。ちょっと落ち着こうぜ。どっちも興奮しすぎ。落ち着いてられるわけない。死んだ彼が生き返るかもしれない。そういう話してんだよ。あんたは生き返らせたくないの？生き返らせたくねえわけあるかよ。でもだからってこんな言い争うのもちげえだろ。過去に戻ったらニュクスとまた戦うんだし、冷静に考えねえと。まさか戦うのが怖いから嫌なの？そうじゃねえよ。いや、そうかもしんねえけど、うまく言葉になんねえ。でも冷静になってほしいんだよ。Mais le truc c'est que si on recombat Nyx, c'est le même problème. どう使いたいんですか？私は過去と現在のどっちかを選ぶなんて、そんなこと。Faut que quelqu'un se sacrifie dans tous les cas. こんな時まで逃げるの？あの日、お別れに一人だけ来なかったでしょ。生きてる彼の最後の言葉を聞いて、同じ力まで引き継いだのに、それでもまだ逃げるの？辛いのはわかる。わかるよ。私も辛くて辛くて仕方ないもん。でもゆかりさん、もういい。話なんないよ。メティス、鍵を一つにするのって持ち主の同意とか必要なの？いいえ、必要はないかと。鍵はただの鍵ですから。それじゃあ、私がみんなから力ずくで鍵を集めて合わせちゃってもいいんだ。Qu'est-ce que tu veux dire par là？力ずくってみんなと戦うこと？ Quoi？ Non。戦いたくはないよ。でも仕方ないでしょ。時間ないし、このまま話し合ってても結論なんて出そうにないし。それは確かにそうだね。大切な人の命をめぐる問題にあたって安易な妥協はできないだろう。お互いにならば。キリジョー先輩、私はユカリと共に戦う。これは以前から。Retourne dans le passé. Retourne dans le passé. 先輩。お前が竹馬の味方か。本気なのか。分かった。俺もその覚悟に本気で応じよう。なら、私は姉さんの味方です。姉さんを絶対に守ります。メティスは、そうだよね。何が大事かはっきりしてて、okay. だから、わかるでしょ。私が譲る気ないってこと。ええ。En fait, le problème, c'est que j'aimerais bien regarder la Solus juste pour voir s'il y en a, y a encore beaucoup ou pas. なら戦いにふさわしい場所が必要ですね。決着から逃げる。はい、donc si c'est bien ça, on va bien se taper dessus quoi. できたら言ってください。いつでもご案内。On va bien se taper dessus. Et je crois que du coup il y a un truc où plus tu les fais faibles, plus tu les défonces facilement. Mes amis, soyez donc désolés. Quelle décision vais-je prendre ? Eh ben, du coup, dans l'idée, je pense que
On va s'arrêter là. Mais du coup, je crois que... C'était sa chambre. La porte s'est ouverte, ok. Je voulais savoir, en fait, si la clé, en fait, ouvrait ce truc-là. Bah du coup on va s'arrêter là pour ce soir. Je vais re-sauvegarder au cas où. On va s'arrêter là. Je pense que du coup on ira au centre commercial de Polonia histoire de peut-être avoir un dernier stuff. Mais si je me souviens bien du truc, c'est ça. Normalement plus ils sont faibles, plus on peut facilement leur péter la gueule. En vrai, je pense que la vraie ending, c'est d'aller dans le passé. Je pense. Je suis pas sûr. En vrai, il faudrait que je regarde, parce que j'ai pas envie de me tromper entre la bad ending et la good ending. Et surtout, voir s'il reste encore beaucoup de choses à faire. Mais en vrai, si on se bat contre Ken, on le défonce. Si on se bat contre Koro, on le défonce. Si on se bat contre Junpei, ça va. C'est Akihiko qui risque de nous faire peur, en fait, dans l'histoire. Mais bon. Bon, du coup, on va s'arrêter là pour ce soir. On se retrouvera donc du coup lundi prochain, normalement, pour un stream multi avec l'équipe du lundi. Mardi, on continuera évidemment Supermarket Together avec Neo. Et on reprendra donc Persona 3 mercredi prochain. Et normalement, on le termine. On devrait terminer Persona 3 mardi. Pas mardi, mercredi prochain. Du coup, je sais pas si je commencerai tout de suite Judgment. Il faut que je vois ça. Donc au pire, le vendredi prochain, peut-être qu'on fera du FF14. Je verrai. Je verrai si on commence Judgment ou pas. Faut que je vois. Faut que je vois ça. Ou alors on ferait deux streams de Hidden Dangerous. Jeudi et vendredi. C'est vrai que ça serait pas trop con de faire ça. Comme ça, on avance encore plus Hidden Dangerous. Ça serait pas con, peut-être qu'on fera ça. Donc du coup, mercredi prochain, on se terminera Persona 3. Et on fera, je pense, ouais, deux streams de Hidden Dangerous. Ça sera mieux. Sur ce, portez-vous bien, passez un bon week-end. Et n'hésitez pas, bien évidemment, à vous abonner à la chaîne YouTube, Metroid02, au compte Twitter, Metroid02 Stream, et évidemment, à follow la chaîne Twitch. À la semaine prochaine, portez-vous bien. À plus. Allez, ciao.